Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de nouveau au bord du lac de la Gruyère. Cette fois nous allons pouvoir atteindre notre objectif, c'est la grotte qui est juste là derrière. Je vais vous la montrer, elle est juste là derrière la grotte. On va y aller le long du bord, on va y aller gentiment le long du bord et c'est parti, let's go. On arrive gentiment à notre objectif qui est juste là derrière, notre objectif, on arrive gentiment. Et cette fois je vais vous y emmener à pied, c'est parti, let's go. On y va, allez. C'est parti, il y a peu ça, mais il faut faire très attention de ne pas glisser. Mais regardez toutes ces gravures qu'il y a eu le long du mur, c'est impressionnant. Et on voit toutes ces sous-couches qui ont été faites par des milliers d'années. Toutes ces sous-couches, et puis tout là-en haut, si vous regardez, il y a tout là-en haut, il y a une nichoire, mais on ne voit juste pas parce que là, il y a une branche qui chicane. Mais notre objectif, c'est cette grotte, et on va aller voir à l'intérieur de cette grotte qu'est-ce que ça a été marqué par des jeunes de notre époque ou bien de l'époque de nos parents. Ça se peut, mais il y a plein de choses intéressant d'aller voir. C'est parti. C'est magnifique, moi ça me plaît ça. Ça me plaît, sauf que c'est... Ouais, ça va, ça va. Je voyais plus dangereux que ça, mais c'est pas si dangereux que ça. Alors ça me plaît quoi, c'est vraiment... Parce que magnifique quoi. C'est magnifique. Oh, c'est grandiose les gens, c'est grandiose. Ouais, des traces d'oiseaux par terre, c'est génial. Voilà, regardez-moi cette belle objectif. Cette magnifique grotte les gens. Magnifique grotte, waouh! Toutes ces gravures qui ont été notées, regardez voir ça. Oh là là, toutes ces gravures le long du mur, c'est impressionnant. Tous ces gens qui ont gravé quelque chose, c'est impressionnant. Et c'est juste magnifique. Regardez, ça, c'est juste magnifique quoi. Oh, c'est beau, c'est grandiose cette grotte. Allons voir à l'intérieur. Regardez ça depuis de vos propres yeux là, ça, on voit bien la falaise là. Puis là, on voit bien, on va rentrer par le côté, là. Parce qu'on dirait que c'est comme une petite entrée, par là. C'est vraiment bien, c'est vraiment trop bien. Bon, là, par contre, on va faire attention de ne pas glisser. Ouais, c'est déjà trop bien. La grotte, elle n'est pas profonde du tout, mais il y a des belles gravures. Il y a des belles gravures contre le mur. Il y a des vraiment belles gravures, très très belles. Il y a peut-être des choses anciennes. On va essayer d'aller voir plus près. Allez-y, c'est parti, allez-y. On va entrer dans cette grotte. Allez, bon, c'est un peu sableux, c'est un peu glissant, mais c'est faisable. Oh, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, quoi, les gens. Non, c'est juste magnifique. C'est magnifique, elle n'est pas profonde, cette grotte, apparemment. Mais il y a des trucs intéressants vers le fond, là. On dirait des souterrains, sous-bassements. Regardez, on voit les sous-couches, je veux dire, les sous-couches. C'est impressionnant, les sous-couches qu'il y a. Regardez ça. C'est juste... Wow. On voit bien les sous-couches, quoi. Oh là là. En-dessus de nos têtes, il faudrait pas toucher parce que ça a l'air très très fragile. Mais regardez ça en-dessus de nos têtes. Regardez-moi ces sous-couches qui sont faites. Regardez ça. Toutes ces sous-couches, en fait, elles sont tombées. Tout là-devant. Mais les sous-couches. Regardez ça, ces sous-couches au fond, là. On voit bien les sous-couches. C'est impressionnant, on voit bien. Il y a énormément de couches. C'est les couches du vieux temps, toutes ces années. On voit vraiment, regardez, on voit vraiment des choses. C'est vraiment très sableux, c'est de la molasse. En fait, c'est même c'est le début de la molasse, parce que la molasse, c'est du sable. Là, c'est le début de la molasse, parce que... Là, c'est ça, c'est ça. Regardez-moi ces sous-couches là, c'est trop magnifique ces sous-couches, juste trop magnifique quoi. Regardez, on voit toutes ces années. Waouh, regardez ça, regardez sur ces années, vous avez vu ce rouge, ces différentes couleurs de gravier, c'est impressionnant, c'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment très impressionnant, c'est qu'il y a des sous-couches, regardez. On voit des couches, vous voyez? Des couches de sable, de cailloux, C'est vraiment impressionnant. Tout ce sable, ces cailloux, c'est vraiment par étage. C'est les années, des milliers d'années qui ont fait ça, je pense. Tout ça, c'est impressionnant. Voilà, j'ai atteint mon objectif, je suis dans la grotte que je disais depuis qu'on voyait depuis l'autre côté du lac.
Je suis effectivement dans la grande grotte, là derrière, la grotte qu'on voyait depuis l'autre côté du lac. Je suis à l'intérieur, vraiment. Comme je disais, il y a vraiment des couches. Il y a du sable qui est en train de se transformer en molasse. Je dis que c'est extrêmement fragile. On touche un caillou, il y a tout qui nous tombe sur la figure. Mais c'est impressionnant de regarder toutes ces différentes couches. On voit des choses qui sont magnifiques à voir. Il y a des étages comme ça. C'est vraiment trop bien à venir observer. Mais franchement, ne touchez à rien parce que c'est extrêmement fragile. Regardez. C'est comme là en haut, il y a des trucs extrêmement fragiles. Il y a des trucs vraiment très très fragiles. Comme dire, je lance un caillou dedans. Ça s'écroule. Hein. Mais il y a vraiment des sous-couches. Il y a une couche ici de ce caillou. Après, il y a une couche de sable qui a été tout ça tassé. Par des milliers d'années, et puis regardez ce que ça donne, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Là, je penche la caméra pour vraiment que vous voyez, c'est vraiment impressionnant. C'est juste magnifique. Là aussi, on voit bien sur le côté, là, bien là sur le côté, c'est vraiment très très beau. Puis au fond de la grotte, là, on voit les sous-couches aussi, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique, quoi, cette grotte derrière moi, c'est vraiment magnifique. Mais on voit vraiment ces couches, quoi, c'est impressionnant. Toutes ces couches que l'on peut voir dans le plafond de la grotte, ces couches d'années, une année sableuse, une année, je sais pas. Mais c'est impressionnant. Il y a même une partie un peu de rouille. Je me pose si c'est pas un moment peut-être de fer ou de je sais pas quoi. Je suis pas assez expert pour ça, mais on voit bien ces différentes couches, c'est génial. On voit vraiment bien ces différentes couches, quoi. C'est vraiment magnifique, ces différentes couches qu'il y a. Regardez tout en haut, regardez tout en haut, là on voit bien qu'il y a les couches, là en haut, on voit bien qu'il y a les couches. C'est vraiment magnifique, quoi. Très très beau. Mais voilà, on a réussi à atteindre notre objectif d'aller voir cette grotte. Cette magnifique grotte. C'est magnifique, avec son fameux mur à côté, c'est impressionnant le mur qu'il y a. Justement en haut là, on voit le nichoir. En fait, waouh, il y a un oiseau dans un nichoir. Oh génial. Il y a trois nichoirs là, je vois. Trois nichoirs. Un tout à droite, un en face avec un oiseau dedans, et un peu plus bas, il y en a un. C'est juste magnifique, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Voilà les gens, j'ai gravé mon nom contre la paroi comme ça. Ceux qui viendront. Ils pourront savoir que je suis passée par là. J'ai marqué Lena cinéaste. Avec, bien sûr, à la fin ici. Ici, j'ai pas gravé la main à l'intérieur. J'ai gravé la main à l'intérieur du mur, quoi. Pour ça, c'est gravé la main à l'intérieur du mur. Hop. Voilà ce que j'ai fait, les gens. Graver Lena cinéaste contre ce mur de cette grotte. Avec mon gravage de main. Voilà la belle signature, Lena Cinéaste. Avec la main de Lena Cinéaste. Magnifique vue qu'il y a derrière moi, cette piste que l'on voit depuis la grotte. Voilà la magnifique entrée de la grotte. Avec le nom, Lena Cinéaste. Puis sa petite main.